Sujet, la Marseillaise dans tous les sports à tous âges. Que dire? Laura Flessel, notre ministre des Sports, qui pense que toute personne, tout sportif en général, du petit au grand âge, devrait apprendre la Marseillaise obligatoirement. Je dis pas que l'idée est moche, mais elle est un peu con. Ça c'est quoi un enfant? Il va arriver dans un sport et tout de suite on va lui dire, oublie pas ton équipement, que ce soit le short, les crampons pour le footballeur, le maillot de basket pour le maillot de basket, le casque pour celui qui fera du football américain, etc. etc. Et tiens, c'est la Marseillaise, tu la prends par cœur, si tu la connais pas, tu joues pas? Déjà, faudrait déjà que les sportifs de haut niveau la connaissent. Au JO, il y en a qui la connaissent. Au JO, les dernières, il y a quand même un sportif qui a trouvé la parade d'inventer sa propre Marseillaise. Bon, c'était pour le fun. Mais même pour le principe, et jusqu'ici, à part que tout le monde en a ri, personne ne l'a critiqué. Et maintenant, on va dire à la jeunesse, apprenez la Marseillaise. La plupart des jeunes, aujourd'hui, ne font même pas toute une année de sport. Même pas 6 mois, même pas 3 mois. Et on devrait les faire chier à apprendre ça. Moi je suis d'accord, c'est important, ça fait partie du patrimoine français. Mais là, à dire qu'on est obligé, c'est un peu violent quand même. Maintenant, ça peut être bon, ça peut être bien vu au moins. C'est vrai qu'au niveau respect dans le pays de certaines valeurs, on s'y perd. Mais forcer les gens à aimer obligatoirement et être obligé de chanter la Marseillaise à chaque rencontre, ça veut dire quand il y a un petit tournoi, il faudrait chanter la Marseillaise à chaque petit match de 15 minutes. Faut arrêter de déconner. Maintenant, c'est mon avis. Si vous l'aimez, c'est super. Si vous êtes contre, je m'en fous. C'est le principe d'on s'en fout de ça. Et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC, votez malin. Et n'oubliez pas, la Marseillaise, c'est une grande valeur de notre pays. C'est très important de la connaître. Mais de là à venir à forcer les gens, ça n'en vaut pas la peine. Salut!